Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve habituellement en début d'année pour la cérémonie des vœux. Ce rendez-vous qui constitue un moment privilégié de rassemblement, d'échange et de convivialité ne peut être organisé cette année en raison de la crise sanitaire. J'ai néanmoins décidé de m'adresser à vous par cette vidéo. L'année 2020 a été marquée par deux moments forts. D'abord, bien évidemment, la crise sanitaire, qui a entraîné de nombreux bouleversements dans nos vies quotidiennes. Nous avons géré cette situation du mieux possible, en réorganisant les différents services à partir des protocoles. Quand je dis nous, c'est l'équipe municipale, mais aussi les agents municipaux. Je tiens à remercier les bénévoles qui ont répondu présents pour l'accueil des enfants, mais aussi les enseignants, le personnel soignant, commerçants et vous tous qui avez su vous montrer solidaires et exemplaires. L'autre moment fort de l'année 2020 a été les élections municipales. Elles se sont déroulées dans un contexte très particulier de Covid-19. Par ce moment démocratique fort, vous m'avez réélu avec mon équipe. Merci pour votre confiance renouvelée. Guénac compte désormais 1908 habitants contre 1752 en 2011. Ces chiffres confirment un maintien de l'attrait de notre commune. La proximité de la ville de Pontivy est bien sûr un atout important pour notre commune rurale. Mais c'est aussi pour son cadre de vie préservé, ses chemins piétonniers et ses boisements que de nouveaux arrivants choisissent Guénac. Le conseil municipal continue d'œuvrer pour dynamiser notre commune. Ainsi, des politiques complémentaires sont développées en termes de logement, de services enfance-jeunesse, de soutien au développement des commerces et d'appui au milieu associatif. D'autres projets seront à l'étude en 2021, et notamment les réaménagements de la cantine, de la garderie et de la médiathèque. Nous travaillons aussi sur la sécurisation des déplacements et le fleurissement dans le centre-bourg. Vous constatez que nous avons toujours du pain sur la planche, mais je suis confiante sur l'avancée de nos projets car je suis entourée d'une équipe très motivée et très investie. En attendant, restez prudents et prenez soin de vous. Gardons espoir de sortir vite de cette pandémie. La vaccination est sans doute le meilleur moyen pour l'endiguer. Je vous donne rendez-vous à tous à l'inauguration de cette salle des fêtes qui se tiendra dès que possible. J'espère y voir beaucoup de sourires. Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom du conseil municipal, je vous adresse mes meilleurs voeux pour l'année 2021. De bonne santé, de réussite dans vos projets. Bonne année à vous toutes et à vous tous et à bientôt.